Ok, bien salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on se retrouve pour la suite des quêtes de l'île Moon. Alors il faut savoir que la dernière fois, j'avais justement réussi à débloquer donc le succès Coco Boy et donc par la suite le Dococo, donc le nouveau Dofus. Alors bon, c'est pas un vrai Dofus, hein, c'est un faux Dofus, comme le Dofus nébuleux, comme tant de Dofus, hein, il y en a tellement. En réalité, il n'y a que 6 Dofus. Alors ça, c'est un fake, fake, fake. Ocre. Le Ocre, c'est un vrai, je crois. Tu tues pourpre, émeraude, ébène et ivoire. Voilà, je crois que c'est des 6 vrais Dofus. Donc le Dofus Kawa, il me semble aussi que c'est un faux. Je crois en fait. Je suis pas si sûr que ça. Enfin bref. Du coup, bah, je viens de le débloquer. Attendez, je vais vous montrer hein, ce qu'il donne. Mince. Voilà, il est là. Au cowboy, j'accepte. Pour les personnes qui se demandent pourquoi j'ai laissé autant de succès, j'attends le jour où il y aura un x2 en XP. Voilà, tout simplement. Donc voilà, le de coco, hein. Pour ceux qui ne savent pas, l'effet est assez simple. Tous les 3 tours à partir du tour 4, le lanceur regagne 10% de sa vitalité max. Donc c'est super important pour les sacris. Et ainsi, bon, pour les persos qui sont full vita, hein, enfin, qui ont le maximum de vita, genre 5000 quoi, pour regagner à partir du tour 4. 500 vita si vous avez 5000 de vie, tous les 3 tours. C'est vraiment pas mal. Donc bon. Bon, alors après, c'est vrai qu'on a malheureusement que 6 emplacements, peut-être que par la suite, hein. On aura peut-être plus d'emplacements. Franchement, moi je verrais bien 8 emplacements comme ça. Histoire de mettre un max de Dofus et trophées. Enfin bref. On va directement sur l'île de Moon. Donc, vu qu'on avait débloqué deux succès, on va enchaîner avec le deuxième succès. Car oui, il y en a deux. Attendez juste 2 secondes, je mets un petit peu plus de son. Voilà. Oui, donc alors, on était à où? Monnaie de singe, l'aura de Yves. Donc là, on a 5 quêtes à faire. Est-ce que je pourrais les faire dans cette même vidéo? Ça va prendre plus d'une heure, je pense. Donc on verra bien. Peut-être le faire en 2 vidéos. On verra. Alors, île de Moon. L'aura de Yves. Ah oui, d'accord. Donc là, on a un paquet de choses à ramasser. Enfin, à ramasser, surtout à ramener, quoi. Donc on va faire un par un. Avant tout, on va aller en 31-10. D'ailleurs, demain, un nouvel épisode hein, de la saison 2. Ça va être l'épisode 2 demain. Pour. Je parle bien des colis. Hein. Ouais. Allez, hop, je parle à toi. Donc, c'est quoi? C'est 31-10, c'est ça? D'ailleurs, j'espère que la vidéo 5 vs 8 vous a plu. Alors effectivement, bon. Effectivement, le truc c'est que la map était petite et quand vous êtes 5 vs 8, c'est compliqué quoi de gérer autant de personnes en face. Hein. Mais la prochaine fois, je ferai un 6 vs 8 et là, je peux vous assurer. Et surtout qu'on va changer de map hein, cette fois. Parce que la map elle était largement avantageuse pour eux. Cette fois je prendrai une map plus grande. Du genre la map 2-0 là, moins 2-0. Celle juste à droite du Zap en fait. Cette map ça serait parfait. Bref, il ouvre le gros monsieur. Voilà, là il m'a passé. Il m'en faut combien? 4. Il me faut plus de crâne en fait. Ouais, crâne de pirate. Bestiaire. Ça, c'est dans la zone du chouk, donc dans le chemin du crâne. Bah écoutez, on va aller faire un tour. Hein. Mais franchement, je pense que ça m'étonnerait hein, que je puisse terminer le succès aujourd'hui avec vous. Je pense que je ferai 2 vidéos, celle-là va au moins durer 40-50 minutes. Chemin du crâne, voilà. Bon, allez, on va aller tout en haut. Bon, Yop, bon, il est là surtout pour servir hein, au crâne, justement. Ah putain, j'aurais peut-être dû lui donner les crânes, je suis bête. Ah, c'est pas grave. 2 crânes est égal à 1 tonneau. Là, il manque plus qu'un tonneau et puis c'est bon. Puis ça sera fait. Hein.
Là, on arrive dans la jungle interdite. Ouais, donc justement, en fait, je vous parlais hein, du 5v8. La prochaine fois, je prendrai mon Inutrof et là, je peux vous assurer. Mais je vous assure une seule chose, c'est que je pense que je gagnerai. Parce que l'Inutrof a une capacité d'entrave et de râle, hein, tout simplement, juste énorme. Bon, allez, là, on va faire un petit combat dans le plus grand des calmes. Bien, de toute manière, avec les troches, je pourrais Corrup, Ral, enfin voilà tout ça quoi. Mais bon, voilà, bon, c'était comment dire, c'était une idée comme ça en fait. Hein. On était aux apps en fait, et d'un coup, il y a des gens, bon, ils ont fait ok. Papa, on se fait un défi. Après, je fais ok. Bon, je ramène ma team. Je suis venu à 5. Je me suis dit peut-être que ça allait passer. Alors, effectivement, oui. Bon, dans les 8, hein, il y avait un Inutrof niveau 25. Donc, on peut dire que c'est du 7, mais bon, ça reste du 8. Donc, voilà. Est-ce que j'ai droppé là? J'ai même pas regardé. J'ai rien droppé en fait. Ah, si, j'ai droppé un, mais il m'en faut un deuxième. Parce que c'est deux crânes contre. Ah, je finis pas quoi. What? Seul. Ah ouais, c'est super bien caché. Et je veux regagner de la vita. J'ai regagné 4 de vite, c'est. Ouais. Ah putain, j'ai pas d'armes. Ah humain, j'avais pas vu que j'ai encore les idoles là. Ouais, d'un côté ça m'aide à drop quoi. Peut-être mettre le No Moon parce que. J'ai l'impression que j'ai du mal à drop quoi. Je pense que ça va passer mieux. Ah, je peux le tuer au cac, franchement. Ah, je peux le tuer. Hein. Allez, paye le crit au cac. 59%. Allez, crit. Yes. Eh, je drop toujours pas le. Pourtant, j'en suis sûr. Hein. Il me faut bien deux crânes pour échanger. Donc bon, là, voilà, on est sur Nid Moon, c'est assez simple hein, comme quête, hein. C'est pas non plus. Mode créature. Ouf, oulala, ça, mais ça tape là, 300. Oh. On peut se calmer s'il vous plaît. Miam, 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 œil de taupe, j'adore. Ah, 500, 300. Eh, hey, il a combien de PO, Canondorf, là? Faut qu'il se calme, hein. Attendez, je vais régler ça. Voilà. Ça t'apprendra, va. Non, mais depuis tout à l'heure, là, il arrête pas de me taper. Ah, je sais pas, une dizaine de PO, voire plus. Et non, mais attendez, j'arrive vraiment pas à drop, là. Je trouve que c'était crâne de pirate. Ça m'étonnerait. Ah ouais, 30 à 31, ouais. Ouais, une chance sur 3 à chaque fois. Hein. Sans le chal, ouais, bon. Je veux bien admettre que j'ai pas eu beaucoup de chance. Voilà, ici, Rican, ils font peur, hein, tous les mobs, je crois. Ouais, crâne de pirate. Cœur de pirate. Ah, la map elle est nulle. Bon, je vais essayer de faire le taf. Ça va pas le faire. Aïe 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 aïe. Limite, je vais perdre quoi. Laissez-moi tranquille. Ah, c'est bon, je finis. Je fais le taf là.
Avec le Dofus Nebu. Voilà, super drop, voilà. Hop. Putain, on vient de galérer là une dizaine de minutes juste pour ça. Enfin, voilà, bon, on a le tonneau. Enfin, on a juste les tonneaux. Alors, imagine. Ça, c'est juste pour une quête. Ok, pour les tonneaux. Ensuite, les cordes en liane. Cordes à ramener, celle-ci c'est drop. Ok, il me faut des cordes en liane. C'est encore des objets de quête. Hein. Oui, non. Attendez. C'est pas que j'en ai zéro. Corde en liane. Oh. Huit cordes en plus. Bon, en plus ouais, c'est eux là, c'est. Ouais, ça va, c'est des petits mobs. Bon, allez, une chance sur trois, va falloir que je fasse le taf. Pam 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 pam. Ah non, en fait, non, j'ai pas activé mon Dofus Nebu. Je vais l'activer maintenant. Ah, le chat, il est nul. Ah non, putain, c'est nul. Je vais pas le faire. Non mais je le fais pas, beaucoup trop lent, enfin beaucoup trop long. Les cryop, c'est magique. Ah, ça fait chier de pas faire le chat, ça c'est sûr. Est-ce que ça drop? Oui, 2 et 2, ouais mais de toute façon c'est dans les objets de quête, donc mon cry doit drop tout seul quoi. Enfin bon, le yop ça l'aide quand même quoi, c'est ce qui compte. Allez, on a quoi comme shell qui est super? Voilà, rapide et efficace comme je les aime. Ah putain, là c'est mon yop qui les a drop, mais what the fuck. Et pourtant, attendez, c'est quoi? J'ai 276 pp sur le Kra et 135 sur le Yop, et c'est le Yop qui a tout chopé. Ah là là, fuck la logique. Hein. Bon, là, un petit peu au self du chat. Hein. Ah, quoique. Ouais. Je peux le faire. Le gars, il a dit Pikachu comme la dernière fois. Pikachu, ouais là c'est mon crack qui en a drop 1. Allez, stop le repop sur cette map. Bon là c'est cool, là quand je vais taper mon yap il sera attiré. Ah merde, mon crack aussi. Et boum, regardez-moi ça, crafeux. Franchement, j'aimerais bien essayer un stuff full feu. D'ailleurs, je vais sans doute bientôt vous présenter un stuff 1000 puissance sur le Yop. Bon, ça pourrait se tester, enfin, ça pourrait être testé sur plusieurs persos, mais Yop, sans doute, ça serait magnifique. Yop, craft, enfin, voilà quoi. Pam, 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 pam. Bon alors, comme je vous l'ai dit, hein, j'essaie de pas trop rusher la match 2.30 vu qu'elle vient d'être installée quoi. Donc bon, c'est pour ça que là voilà, là je prends mon temps pour faire les quêtes moon, et après, seulement après je commencerai. Seulement après je commencerai la quête du Dofus sur quoi, sur, voilà quoi. Pipiti, piti, piti.
No crit? Ok. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il artistique? C'est bon, là je dois avoir les 8. Les 8 cordes. Ok, 3 sur le cra. C'est ce qui en fait 8, ouais, c'est parfait. Par contre, moi, parce qu'il m'a drop 8. Non, 7. Enfin, je fasse un combat avec lui. Bon, je fais 7 cordes. Bon. Comme mon prof d'histoire, bon. Bon. Mince. Par contre, ils ont laissé la même musique. Hein. Attention, et yop, même nos boosts ça passe sans soucis. Bah, franchement, Yopter c'est super puissant. Ouais. Il y a les puissances, Brocle. Et coco, boum. Eh oui, c'est ça les yop. Une des meilleures classes de Dofus. Hein. Regardez ça. Boum. Oh non, je finis même pas. Ah franchement, ça c'est... Ah c'est sale quoi. Ah, il a cru c'était Albert. Ouais, tiens, mange-toi ça Pablo. Ok, c'est bon, j'ai la corde. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? 3, 4e et 5e ligne, 6 planches de poudre. Il en enchaîne en fait. Putain, va falloir que je me casse pour crafter ça. Un tronc de coco. Une colle. Ah non mais là il me faut masse tronc de coco quoi. 11 troncs de coco et 10 cols. Pour la cage de tout cœur avec vous. Ah ouais putain. Oh pire je peux les acheter. Hein. Ok ensuite après on va craft ça. Bah attendez je vais aller voir si je peux les acheter. Des troncs de coco plus les cols. Non pas les cols. Enfin, vous avez compris quoi. Allez, coco, tronc de coco. Ok, évidemment, colle. Ah, les colles, ça. Ouh la vache, putain, ça coûte cher, sa mère. Ah, j'en ai 4, j'en ai acheté 3. Parfait, bon, ce qui en fait 10. Par contre, les troncs. Ah oui, non, ça, ça doit être dans. Là, j'ai des bûcherons, évidemment. Vu que c'est du bois. Effectivement. Coco. Puis même j'avais déjà vu un des troncs coco à l'époque. Il m'en faut. Ouais. Il m'en fallait 11. Parfait, je vais pouvoir aller. Qu'est-ce qu'il me faut? Enfin, il m'en faut combien? 6 planches en bois de coco. Ok, donc il me faut 6 planches. Il m'en faut 6. Ah, c'est cool ça. Maintenant, ça les crée direct x6. C'est ce que j'attendais depuis longtemps. Enfin, depuis longtemps. Ça, il m'en faut 2, je suppose. De poutres en bois. Ouais. Et un tronc de coco, ça c'est déjà fait. Ramener maintenant une toile peu ragoûtante. Ragoûtante, pardon. Alors. Sixième ingrédient, ramener la voile. C'est qui vous changera contre sirène de qualité. Putain. Encore droppé. Prix moyen 300 000 gamas, c'est quoi ce truc de... Sur les ivres morts. Uniquement présent dans le bateau chou, putain. Ouais, va falloir que j'aille faire le donjon. Bah du coup, je vais acheter la clé.
Cryops, ça ira, je pense. Par contre, il va falloir laisser les. Ah, je m'étire le cou. Ah, voilà. Je voulais quoi, oui. Bricoleur. Chouk. Chouk à pic. Ah ouais, d'accord. C'est quoi ce prix, là? Oh, laisse tomber. De toute façon, j'ai pas envie de... je vais peut-être en racheter encore. Ok, aussi je vais faire deux fois le donjon. Bon, là, je suis à côté du donjon, là. Ah non, c'est le donjon là-bas, là, tout en haut. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est trop loin. Il y a un glouto, tu restes gentil, toi. Bon, le seul problème, c'est que c'est aggro, quoi. Enfin, quoique, je sais même pas si c'est aggro dans la jungle interdite. Les gloutos, peut-être que c'est aggro, mais il me semble que les oiseaux, ça n'agresse pas. Limite, on se croirait sur le Vulcania, hein. Ça ressemble un petit peu. C'est assez sombre et tout. Surtout beaucoup de végétaux, beaucoup d'arbres. Végétaux, Sengoku, enfin voilà, vous connaissez. Ouais, c'est bon, ça passe sans souci. Hein. Ouais, c'est vrai que bon, il y a peut-être des personnes qui ont dû se dire ouais, mais Jake, tu peux aussi les acheter en HDV. Bah, mais bon, si j'achète tout en HDV, ça serait pas drôle. Là, en l'occurrence, j'ai uniquement acheté des. L'école parce que c'était super galère et 30 coco. Bon, voilà, ça coûtait rien. Et... Voilà quoi. Voilà, bon, ça c'était clair et net et précis. C'était clair, Chazal. Est-ce qu'il y a moyen de moyenner? Ah putain. Allez, tiens, de triple pression, il meurt pas, c'est un warrior. Ganondorf, le pauvre. Il a cru qu'on était à Tahiti. Boum, double flamiche, ça passe sans souci. Il n'y a aucun rapport hein, entre Ganondorf et Tahiti, mais bon. Quoi, je suis bloqué là? Qu'est-ce qui se passe? Mais non, j'étais bien là, faut passer à gauche. Ah, on est déjà là, d'accord, merde. Non, moi je pensais qu'il fallait encore marcher. Parce que la dernière fois j'ai un petit peu galéré et là je suis devenu tellement rapidos, quoi. Là, je passe deux clés, mon pote. Voilà, faut que je drop quoi? Le RAM de qualité. Est-ce que j'en ai droppé? Putain, j'en ai même pas droppé. Mais... Fuck. C'est pas possible. Ah, j'en ai droppé un sur le. Yup. Ah, il me faudrait limite que je ramène toute ma team. Ça me ferait chier quoi. Ouais, mais il faut que je drop plus. Écoutez, je fais une petite pause, je vous dis... Ok, re les gars, donc là je viens de connecter Pandaini. Hein. Ah, par contre le TP va falloir attendre. Non, 4 minutes, putain c'est long. Bon, attendant, au pire j'ai qu'à mettre les stuff PP. Putain d'office... Ah putain. C'est le moon de merde là, il me saoule. Ils sont tous morts. Pas connecté pendant plusieurs semaines aussi. Bon, la nid sont ok, c'est parfait. Ouais, non, cette panda diop là, faut attendez, là, il faut que le moon je vais le filer à mon panda et puis lui il va le. C'est plutôt le panda qui va filer à mon yop.
Amelgap, il a même plus de Chacha aussi. Hein. Oh, ils sont tous morts. Et Chacha, Moon, ouais, il me faut une poudre en plus. Bon, je vais lui filer. Bon, Panda, ça va, il a que mon. Bon, il en a des autres, mais ça, c'est. Ils sont pas montés, quoi. Ah, ils sont pas montés, non. On s'en fout. Est-ce qu'il a des poudres par hasard? Ouais, pas de résu. Je vais acheter une autre. Bah, c'est parfait, hein, comme ça, moi. Je peux faire ça. Donc voilà, pour ressusciter les familiers, ça c'est simple. Vous allez dans le temple Xelor. Il y a un gars qui s'appelle. Je sais plus comment. Vous lui filez donc en échange. Votre famille est morte, plus une poudre de résurrection, il vous fait ça gratos. On la coûte. Alors bon, c'est vrai que la poudre de résurrection, ça coûte quand même 40 000 k. C'est quasiment rien. Donc voilà, temple Xelor, ça c'est simple. Regardez, vous cavalez, vous tapez un sprint. Un sprite. Pardon. Je viens de bailler. Voilà, c'est Doro le Black. Le Black Blanc. Black Blanc Beurre. Voilà. La poudre, ça c'est à mon panda. Par contre, faut le faire un par un. Hein, parce que sinon, ça marche pas. Donc voilà, la chacha. Après, bon, le problème, c'est qu'il vous la redonne, mais avec un point de vie. Du coup, faut directement les remettre à 10 PDV. Avec des poudres d'Eniripsa, justement. Ça coûte 10 000 qu'elle est 10, pas très cher non plus. Regardez, là ils ont un point de vie donc vaut mieux. Hein. Moi j'en ai surtout mes persos des poudres, super important. Super important si vous avez une team et que vous avez plein de familiers comme ça, que ce soit No Moon, Chacha, même les Montilliers. Hein. Bien Tifoux, Compost, Cram, enfin voilà. J'ai vraiment beaucoup de choses à nourrir. Enfin bref, voilà, du coup là je viens de le faire, là la TP elle va bientôt. Remarcher, on se croirait limite dans Call of Duty Black Ops. Merde, c'est pas ça. Parce que vous savez, il y a une TP en fait dans Black Ops. Je sais pas si vous le savez. Dans Black Ops, zombie quoi. Vous savez, le téléporteur là dans la map. Dans la map Kinoder Totem. Après, c'est vrai que bon, il y a plusieurs maps, hein, mais. Il y a justement un téléporteur pour se TP et améliorer ses armes. Bon, de toute manière, tout le monde connaît Call of Duty, surtout le mode zombie, tout le monde le connaît. Donc, je pense que vous voyez de quoi je parle. Bah, ce téléporteur, il y a un temps. Je sais pas, ça va être toutes les 3 ou 4 minutes. Et après, bah, au final, bon, on peut le recharger, quoi. Merci SXROX, XXXROX. Du coup, bah là, je vais aller TP, hein, tout simplement. Voilà. Du coup, le Yap, c'est bon, il permet de son. Franchement, moi, j'adore. Comment dire. Avoir des persos comme ça. Avec un skin. On ne voit pas forcément souvent. Parce que, bon, vous trouvez plein de personnes qui me biotent tout le temps. Moi, les biotent, je trouve pas ça. Enfin, voilà. C'était une bonne idée, mais. Enfin, si, alors, c'est vrai que bon, moi j'ai mioté seulement ma cape en fait, en voile d'encre, parce que je trouve que c'est la plus belle des capes, la voile d'encre, et donc voilà. Je trouve que ça fait super stylé sur une team, mais la coiffe, franchement, vous voulez mioter quoi? La coiffe d'arène des voleurs? Franchement, je. Bon, après, voilà, il y a des coiffes sympas, mais je trouve que les obvies, c'est assez stylé. Ça, c'est Nayo, excusez-moi là, si. Si vous venez de voir ça, j'ai pas fait exprès.
Donc Nayo, qu'est-ce que c'est? C'est en fait c'est quelque chose pour connecter ses comptes directement. C'est-à-dire que vous connectez tous vos comptes sans que cela, enfin sans rien faire en fait. Vous cliquez sur Nayo. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est mon fond d'écran Death Note évidemment. Ça c'est très personnel. Voilà. Voilà, bon, on peut voir League of, mais voilà, c'est League of, franchement je joue quasiment jamais. Juste des fois je reprends, je fais une game par jour. Non, qu'est-ce que j'ai? Une game une fois par mois, et puis voilà. Alors donc voilà, Nayo en fait c'est simple, vous dansez, vous cliquez. Moi je vais pas cliquer parce que bon, on peut voir certainement mes données à un moment. Et en fait dedans vous mettez votre nom de compte et votre mot de passe. Alors vous en faites pas. Nayo a été certifié par Ankama, ils approuvent largement le truc. Il y a même, je crois qu'il y a même en fait des gérants d'Ankama qui sont dans ce. Qui ont créé, enfin qui ont aidé justement ce logiciel à être à jour en fait. Et enfin bref, voilà, il n'y a aucune arnaque dedans quoi. Moi j'ai tous mes comptes personnellement sur Nayo. Vous cliquez, tous vos comptes se connectent et vous pouvez modifier plein de trucs. Enfin bref, voilà, c'est assez cool. Voilà, mode PP sur tous les persos. Je vais également. Bon, les idoles, au pire, je peux laisser. Hein. Limite, ça me fait un petit peu chier. Bon, voilà, là, ça va être sympa, quoi. Pop, pop. Pop, pop. Ah, donc là No Moon en mode swaggy swag quoi. J'adore les No Moon. On s'est pas trompé de donjon, lui c'est ivre mort. Donc là on va essayer. Ça va être compliqué hein, si je veux revenir à ma place. Ah putain, j'aurais dû stab. J'aurais dû stab. C'est à cause du Lucky en fait que j'ai pas pu le taper. Aïe 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 aïe. Bien sûr, il a encore fui à perpète la galette. Ah, il y a une musique préférée, les gars. Pam, 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 pam. Oh là, regardez-moi ça, 1000! Oh putain! Excusez-moi hein, si j'ai gueulé là. 1000! Oh là là! Ah, je suis con, ouais, j'avais pas vu. Bon, j'avais fait puissance avec le gars, mais même 1000! Je m'en crasse, c'est super puissant. Et moi, vous savez, il y a un truc qui me fait marrer. C'est qu'avant, tout le monde disait Kra, c'est pour. Ça sert à rien en team. Kra, c'est pour les nuls, ouais, ça sert à rien, ils font rien de spécial. Et là, depuis un certain temps, maintenant, ça doit faire un peu plus d'un an, il commence à y avoir beaucoup de personnes qui s'intéressent au Kra. Hein. Franchement, c'est n'importe quoi. Tout ça parce qu'il y a eu des. Tout ça parce qu'en fait, ça sert plus maintenant dans les donjons. Alors que moi, bah, moi, j'ai toujours eu un Kra, ça fait plusieurs années maintenant. Et bah moi c'est ça qui me fait rire, c'est qu'avant je m'en souviens encore hein, comme c'était hier quand j'avais commencé ma team et tout, et je sais pas, on me disait ouais mais Kra tout ça sert un petit peu à rien. Putain, le ram de qualité super chaud drop, il m'en faut 6. Pourtant je viens de faire un double châle quoi. Et là bah là ce qui me fait rire c'est qu'on voit de plus en plus de Kra. Donc c'est assez marrant. Putain, là il y en a pas. Faut que je rajoute. Où sont mes chevaliers? Mes chevaliers, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Ok. Faut que j'en rajoute pour avoir l'autre gars là. Ivre mort. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Alors, il y a encore une fois ma musique préférée, mais je suis pas sûr que ça soit la même en fait. J'arrive pas trop à. Ça fait pa pa la 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 pa 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 la pa. Oum. La chaîne assez simple. Ouais, non, le 1, je le fais pas quoi. Alors, il m'avait dit quoi, compo? Et ouais, mais il a pas de boubou quoi. Ah oui, hein, franchement, ça peut paraître super important. C'est même super important. The Ball ou Fekka. Mais personnellement, moi, je préfère quand même. Enfin, à vrai dire, franchement, je sais pas. The Ball pour. Ouais, franchement, The Ball, c'est hyper, hyper, hyper efficace. Non, mon gars, je le savais. Ah, quoique, tant mieux. The Ball, c'est super efficace, mais quand on regarde bien, Fekka, finalement, c'est. C'est énorme. Hein. Pourquoi? Parce que Fekka, il a des glyphes super énormes. Genre, l'une des glyphes que j'apprécie le plus, c'est la glyphe. Enfin, c'est le glyphe gravitationnel, ouais, je crois que c'est ça. Et vous le mettez et personne ne peut vous attirer, des trucs comme ça. Le Fekka aussi, hein, eh bien. Ah, là c'est parfait, regardez. Je viens de dropper 5, 3, pardon. 3 rums de qualité. Rum. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ah là là. Et puis, a priori, ça doit peut-être coûter cher, non? Attendez, je vais voir. Ouais, 50 000 U finalement. Ouais, je pense qu'il y a, il y a pas mal de personnes qui ont dû rusher ça, quoi. Tichal, sympa là-bas. Ah, Lenny qui bouge. Là, par contre, là, il n'y a pas ma musique préférée. Là, c'est une musique sympa, mais sans plus. Far Away qui dit que Fekka maintenant c'est un perso bizarre. Ah, c'est marrant quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que ça change d'avant, ça c'est sûr. Je dis pas le contraire. Mais franchement, quand on regarde bien le Fekka à l'heure actuelle, c'est vraiment pas mal quoi. Bouclier Fekka. Finalement, en fait, il a encore beaucoup de sorts de protection. Mais vraiment. Attends, bouclier du Fekka, immunité à distance, immunité au corps à corps, rempart, surtout très belle zone, rempart. Moi j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Putain, j'ai fait coco juste pour ça quoi. Lui il va devoir me taper. Bon, c'est pas grave, je passe avec lui. Non, mais bon, les persos les plus utiles en team, je dirais Panda, Eni, Yop. Yop, franchement, ça peut être remplacé, mais Yop, c'est tellement énorme que je vais pas dire ça. Mais Panda, je pense le plus utile sans doute dans une team, ça serait sans doute le Panda. Parce que le placement, les vues, tout ça, c'est énorme. Et le placement, croyez-moi, en PVM, que ce soit en PVM ou en PVP même. Super important. Voilà, super, je crois que là je les ai les 8, mais bon, je vais quand même laisser le. Je vais quand même laisser les idoles, je vais quand même laisser le. Le chevalier. Merde, mon crâne commence avant. Bon, c'est pas grave. Le pauvre.
Tiens, on peut faire les deux chiens. Regardez, stab. Tu vas pas m'attirer, enfoiré. Hein. À 40 minutes de vidéo déjà, mine de rien. On est toujours qu'à la première quête. Hein. Enfin, la première du succès numéro 2. Bam, 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 bam. Je peux faire quelque chose de joli. Boum. Enfin, joli. Ouais, tu vas te calmer, Popeye. Ah, ils font mal, hein. Ah, ils font mal quand même. Pam, 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 pam. Ouais, j'ai surtout envie de le terminer lui. Pam, pam, pam. Regardez-moi ce coup de cac qui arrive là. Et boum! Oh là là, Benirip, ça, c'est devenu un yop quoi. Ah, ce drop magnifique! 1-1-1-1-1, c'est magique. Bon, allez, on peut même le faire, hein, le chouk. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser, je l'ai pas fait en score 300 le chouk. Hein. Je l'ai pas fait en score 300. Je peux, ouais, bon, là, je vais le tuer en dernier pour avoir les succès. Sur Pandaini, ça me fera du point en plus. Surtout que Panda a bientôt 10 000 points de succès. Merde, ça maintenant ça rajoute de l'énergie. Putain, franchement, ils auraient jamais dû faire ça quoi. Non, mais je sais pas ce qu'ils sont passés. Je sais pas ce qu'ils sont passés en fait dans leur tête, mais. Déjà baissé le Panda 36 avant, il était à 400, à 450, je crois. Enfin, des chiens maintenant ça donne de l'énergie. What the fuck quoi. Bref, faire donjon score 300, nomade plus chouk en dernier. Ouais. Juste 2 secondes, je guette un truc. Je guette un truc. What? C'est à qui, chevalier? C'est à moi. Ah d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. Ouais, ok. Ok, bon alors, succès car 300. Et tout sauf duo pour Pandaini, du coup j'en ferai un autre jour. Dernier nomade, ouais, bon c'est facile. Juste attendez, je vais essayer de mettre le score 300 quand même. Hein. Parce que j'ai pas 300 de score. J'ai 207, putain. Allez, on va faire ça. De toute façon, ça va être rapido. Qu'est-ce qu'on a comme synergie négative? Nikineko, a priori. Je pense là, il va falloir que je leur donne des PM, max de PM. Peut-être ça. Le Yosh, peut-être que je mette un... Eh, franchement, là, ça va être compliqué, les scores 300. Franchement... Et là, non mais je vais être dans le mal hein, bientôt. Surtout que j'ai pas fait l'arène, tout ça. Ah, Cube. Ouais mais non, c'est de la merde. On est Kineko. Ah, va falloir que je mette le billet majeur, je pense. Ça me saoule à chaque fois que vous cliquez et que vous essayez de rebaisser, et bah ça vous remonte. Regardez tout en haut, putain, c'est vraiment casse-couille ça. Dynamo? Non.
Ah bah écoutez, hein, ça c'est à cause de la mage 2.30. Ils ont nerf. Pour moi c'est clairement un nerf. Hein. Ils ont nerf les idoles. Regardez là, je suis en train de galérer à avoir 300 quand j'essaie. Quand j'essaie d'avoir 300. Enfin quand j'ai les 300, il y a des trucs de malade donc. Qu'est-ce qui va pas? Ah oui, c'est peut-être celui-là qui sert à rien. Celui-là, il donne beaucoup de points. Ouais, quoique, on a limite quasiment la même qu'avant. Et là, je crois que c'est Nikineko qui va pas. Pourtant, ça donne pas mal de points, mais il y a toujours. Je pense limite, je vais enlever ça. Et je vais mettre Nikineko, est-ce que ça va passer? Aïe, je me suis fait mal. Aïe, il est où ce fucking Nikineko? Pire. Ah, il est dedans, il donne combien de Nikineko? Ah, j'ai presque, presque. Attendez, si j'enlève ça et que je mets l'autre. Non, pas celui-là, c'est le billet que je veux mettre. Ouais, celui-là, c'est pas mal, ok. On peut pas taper son prénom si. Billet. Mais pourquoi j'ai pas le normal à vie, d'accord, c'est. Ah, 297, putain! C'est pas possible, ils sont fixes frais là. Oh là là. Backup. Je vais mettre celui-là, je vais enlever celui-là. Et là, je vais mettre. Qu'est-ce que j'avais? Ah, je suis perdu. Faut plus de 20. Le butor, toujours fin. Dynamo. Non, on va essayer de rajouter des PM. Face. Eh non, regardez. Hein. Avant c'était shit, ça donnait beaucoup de points. Je trouve pas. Ah, je trouve pas, je trouve pas. 300 quoi. Pire. On va essayer de mettre le billet majeur, sachant qu'on ne l'a pas. Ouais, pff, putain, 400%, laisse tomber, je vais me faire monter en l'air. Au pire, il tape pas fort, allez, c'est bon, on n'est pas des chouchottes. Je me dis ça, mais là, là, ils vont me péter le trou de balle, là. Ouais, vous savez quoi? Bon, allez, je m'en fous. On va se faire péter le cul, hein. Mais vraiment. Ah, oh, ça va, les nomades, Chouk en dernier. Dommage, là, j'ai pas les nutrophes, c'est vrai. Ah, oh, ils ont pas de PM en plus, ça va, quoi. Par contre, j'ai intérêt à tous les démonter. Ah, c'était lui qui jouait, merde, je pensais que c'était Chouk. Bon, tant mieux, hein.
Ah, mais c'est quand je vais le teuf, c'est qu'on peut le tuer. Il est bon, non? Non, il reste, c'est épais. On va se booster. Donc, Nomad, je suis qu'en dernier. Je crois que j'ai bien utilisé tous mes PM hein, pour le moment. Je pense que ça peut limite le faire. Là. Ah non, j'ai activé Dofus Nébuleux, c'est ça. Ouais, j'ai activé. Ça craint. Tiens, en plus, là, si je tape, Mania va être attiré. Quoique, ouais, c'est vrai, ça le fait. Hein. Bim, bam, 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 bam. Ouais, ça le fait. Marche. Ah, voilà. Donc, Chouk, succès dernier, Nomad. Escort 300, donc il manque plus que le duo et. Le duo pour Panda et Nid, puis ça passe sans souci, quoi. Voilà, bon, on se casse de là. On a assez de rhum. 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 Bon, là, on prend une quête hein, pour le panda ligny. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et on se casse de là. Ça fait trop peur. Bon, on est à où? Il y a Lou qui Mi qui dit qui est chaud pour un Moon Zozo Rock 160. Ah, il faut du Yop, j'irai Yop et Nid, tu fais tranquille. Enfin bon, le mieux c'est d'avoir 4 persos, hein. Minimum. Enfin, non, quoique le mieux c'est d'être plus, comme ça vous pouvez plus facilement placer les totems. Crème rien que sur le Yop, vache. Le panda a récolté combien? Récolté combien? 4 aussi, énorme. Et mon crap. Manini plutôt. 3. Franchement, c'est super. Ça va largement le faire. Je dois aller en 34-6. J'y fonce immédiatement. Merde, je crois que c'était tout en haut. Ouais, c'était tout en haut. Bon, écoutez, attendez, ça je vais les mettre là. On s'en fout des gaufres. Non, c'était même pas ça que je voulais mettre, c'était ça. Ah, d'accord. Quoi? Fuck. Il y a un bug. Il veut pas le mettre en Qualtess. Pourtant c'est un Qualtess de base. Hein. Regardez. Voilà. Quand on le met ici, c'est un bug. A priori. Ouais, c'est bel et bien un bug. Bon bah écoutez, faudrait peut-être signaler ça en Kama. Hein. Non mais bon, c'est pas un bug très grave, donc ça ira. Je pense que la première quête va être enfin terminée. Finalement, je vais m'arrêter là parce que. Pfff. Une heure pour une quête, vous me direz, c'est long, mais c'est pas de ma faute. Il y a beaucoup de choses à dropper. Surtout le donjon Choukla à faire, connecter la team, tout ça, quoi. C'est. Quasiment une heure de vidéo en plus. Ah là là, je vais mettre 2 heures à l'upload. Ça, c'est à cause de ma connexion en fait. Quand je sors une vidéo, je mets tout le temps le double du temps de la vidéo. C'est comme ça. Non mais bon, il faut au moins que je termine cette quête quoi, parce que...
Tiens, c'est lui, non? ICO, c'est bien lui. Parfait, j'ai la toile, enfin. Dernière ressource, c'est drop automatiquement sur le chouk. Pavillon noir. Ah, c'est bon, je crois que je viens de terminer la quête. Pavillon noir, c'est bon, je l'ai, j'ai toutes les ressources, les gars. Ouais, on a mis une heure pour ça, pour une quête. Et voilà, fin de la quête en 36-11. Ok, je me dépêche. C'est à côté du Zap. Et à droite, je crois. Enfin. Ça, j'imagine pas la quête du Dove sur quoi. Donnez tout ce que vous avez trouvé. Et voilà. Dire que vous avez tout ce qu'il vous a demandé. Lui souhaiter bonne chance. Voilà. Quête terminée, les gars. Le radeau ivre est enfin terminé. Il manque encore 4 quêtes, mais je pense que ça sera beaucoup plus. Beaucoup plus rapide pour les autres quêtes, je suppose. Voilà, donc la prochaine vidéo hein, sur les quêtes justement dans cette série hein, sur l'île Moon, bah, je pense qu'on va enchaîner plusieurs quêtes du genre sur les traces de Mooney et le combat des chefs. Enfin bref, voilà, c'était Joystick. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à lâcher un max de likes pour me dire que vous êtes là, surtout si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à lâcher justement des commentaires. Hein, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Joystick. Ciao, les gars.